150 cm, 3,2 kg et les yeux bleus pâles. Une espèce de duvet sur la tête, à part ça tout est normal. Oui, fils unique plein d'affection, et c'est bien logique, sans profession. Mais au fond du cœur, j'avais des doutes, j'aimais trop la liberté. Bon physique sans prétention, caractéristique, sans profession. Sans profession. À détruire et qui reviennent chaque nuit. Oui, romantique, plein d'émotions, tendre et sympathique, sans profession. Sans profession. Mais dans mon linceul, un corps parfait. Pas de lichen collé à mon maître, mais sur l'acte de décès. Fils unique plein d'ambition, mort pour la musique, sans profession. La peur, pour moi, ce n'est pas obligatoirement quelque chose. Je veux dire, on a tous, qu'on soit courageux ou qu'on ne soit pas courageux, ça ne veut rien dire. On a tous peur, là, tous les moments où on a peur de perdre quelqu'un qu'on aime. Dans un accident de voiture, j'en ai eu quelques-uns, on n'a pas peur d'un accident de voiture. Je veux dire, par exemple, je ne sais pas, moi, on voit qu'on va avoir un accident de voiture, il y a une seconde, il y a un réflexe, il y a une seconde où on a... Merde, j'y suis. On peut avoir peur, mais la peur, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de mourir. Par contre, ce qui me fait peur, c'est de savoir que je vais mourir un jour ou l'autre, comme tout le monde. Ces lettres de noblesse, Hiroshima et Buchenwald, elle est la tronçonneuse qui laisse le baiser rouge du métal. Elle est le cancer, la chaux vive, elle blanchit cheveux et squelettes. Elle se fout bien qu'on l'exorcise, elle vomit en tout. La peur
J'ai des baïonnettes où sur le fil d'un rasoir, elle en a fait tomber des têtes. Elle est le serpent, le napalm, elle brûle les âmes et les cœurs. De la souffrance, elle a la palme, elle a des culottes. Elle a plein de sang dans la bouche, elle a les reflets d'un couteau. Elle est le rat qui grimpe au mur, elle est l'alcool, elle est la fièvre, la roue qui éclate en voiture, le cauchemar qui balaye le rêve. Je ne donne pas facilement ma confiance à... Enfin, ma confiance, je vais dire. J'ai... On a très peu d'amis dans la vie, on a beaucoup de copains. Mais être des copains et des amis, c'est deux choses différentes. Ben, l'amour, ça fait partie de l'amitié. Je veux dire, du moment où on aime quelqu'un, je crois que la personne avec qui on vit, finalement, la personne qu'on aime, c'est la famille et c'est également son meilleur ami. On peut pas vivre avec quelqu'un si on n'est pas, si on n'est pas ami, je veux dire, c'est impossible. Il a tiré droit au cœur, l'amour est un vrai tueur, le tout a claqué. Il m'a eu au coin de la rue, il m'a guetté pour m'assassiner. Victime, victime, je suis victime de l'amour. Là, dans la nuit, était tapis, oui, j'ai vu son regard beaucoup trop tard. Là, ouh, oh, ça fait mal, droit au cœur en rafale. Il a tiré et je suis tombé. Victime, victime, oui, je suis
D'ailleurs, il y a beaucoup d'Européens qui vivent à New York. Moi, c'est plutôt le Sud, le Texas, des rêves de gosse, des rêves de... On s'imagine toujours que c'est les ranchs, les cow-boys, enfin... Et finalement, je veux dire, je l'ai dit dans une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle « Mon Amérique à moi ». Pour moi, c'est les petites villes de province, avec les maisons en bois, avec les bouteilles de lait devant sur les paillassons, les gosses sur les vélos qui lancent les journaux. Enfin, je veux dire, c'est ça l'Amérique pour moi. C'est une route sans feu rouge. Depuis l'Hudson River jusqu'en Californie. Et dans ma mémoire, je conserve une silhouette qui bouge. Celle d'une fille en jeans entre Nashville et Baton Rouge. Elle marchait en rêvant près du Mississippi. C'est jamais les gratte-ciel, ni les flics, ni les fusils, ni la drogue, ni le sang. C'est plutôt les enfants qui, sur leur vélo rouge, distribuent les journaux aux portes des maisons. Et il y a des bouteilles de lait sur tous les paillassons. C'est un petit studio en Floride, dans la banlieue d'Orlando. Avec trois guitaristes, deux batteurs, trois banjos, on avait enregistré une nouvelle version de Blue Suede Shoes sur un air paresseux et nonchalant de blues. Mon Amérique, à moi. Mon Amérique, à moi. Mon Amérique à moi est telle que je la rêve, telle que je l'ai vécue et telle que vous l'avez vue dans les films noirs et blancs. La lumière était belle et les figurants des westerns semblaient tout droit venus des albums illustrés, signés Norman Rockwell. Mon Amérique à moi.
est modeste et tranquille. Elle me dit « Good morning » avec un grand sourire. Me sert du café chaud, des pommes à la vanille, m'invite pour passer Noël au Tennessee et pour faire du cheval dans la West Virginie. Mon Amérique à moi, c'est toujours cette fille en jeans. Je ne sais pas pourquoi elle court dans ma mémoire. Il ne s'est pourtant rien passé entre nous, pas d'histoire. Et quand j'ai voulu connaître comment on la nommait, elle m'a dit « Freedom ». Je crois bien qu'en français, ça veut dire « Liberté ». Si je pense qu'il y a une autre vie après, j'en sais rien, j'y ai pas encore été, alors ça viendra peut-être un jour. Je ne pense pas, non. Mais moi, le survivant, la chanson que j'ai faite pour la scène, c'est un petit peu un clin d'œil que j'ai fait. D'abord, c'était bon, une chanson qui faisait partie du fil conducteur du spectacle. Mais en plus, c'était un peu un clin d'œil parce que ça fait 20 ans qu'on dit que je suis mort, ça fait 20 ans qu'on dit que je suis très malade. On me prend en photo à Hollywood, on annonce dans les journaux que je suis mort deux jours avant. Ensuite, on me fait faire des photos en jogging, en train de courir, pour montrer que je suis en pleine santé. Ils passent les photos la semaine après, on dit non, et c'est des photos d'avant, il est mort quand même. Enfin, alors finalement, c'est un petit... le survivant, c'est un petit peu un clin d'œil. Je suis un peu un survivant. Et les hommes chiens sortant de terre.